Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Emmanuel Wargon, c'est d'abord un haut fonctionnaire. Dès ses débuts, elle a démontré une passion ardente pour le service public dans des fonctions administratives au ministère de la Santé, mettant au service de la collectivité sa détermination et sa volonté de faire bouger les choses. Son expertise et son dévouement lui ont valu une reconnaissance unanime. Du ministère du Logement à celui de la Transition écologique et solidaire, elle préside désormais la commission de régulation de l'énergie, un poste qui incarne sa volonté de concilier les enjeux environnementaux avec les besoins de la société. Et si on parlait écologie autrement, bienvenue dans le déclic. Quand est-ce que vous avez eu ce premier déclic ? Moi, je suis une fan de montagne. J'ai toujours aimé ça, plus la montagne l'été que la montagne l'hiver. Je me suis baladée dans différents endroits, essentiellement dans les Alpes. Et j'étais allée à Chamonix, dans la vallée de Chamonix, quand j'étais jeune, quand les enfants étaient tout petits. Et j'y suis retournée une dizaine d'années après pour aller de nouveau voir la mer de glace. Et c'est vraiment l'endroit dans lequel vous vous dites, mais c'est en train de se produire sous nos yeux. Parce que la mer de glace à Chamonix, vous avez un glacier et puis vous avez des échelles métalliques qui vous permettent de descendre jusqu'au glacier. Et sur ces échelles, vous avez un endroit, le glacier arrivait jusqu'ici et puis vous descendez trois volets de marche et ensuite ça vous dit, le glacier arrivait jusqu'ici il y a 3 ans, puis vous descendez encore et ça vous dit, le glacier arrivait jusqu'ici l'année dernière. Et vous avez vraiment sous les yeux la vitesse à laquelle le glacier descend. Et en 10 ans, il est énormément descendu. Donc pour moi, c'est l'endroit où vous ne pouvez pas dire il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas d'impact. C'est l'endroit où on voit à quel point on est en train de transformer la planète, où il faut faire quelque chose. Les montagnes sont considérées comme les sentinelles du climat. Comment elles s'adaptent aujourd'hui à ce changement climatique ? Quel regard vous portez par rapport à ça ? En fait, elles s'adaptent pas très bien d'une certaine manière, c'est-à-dire on voit, le changement climatique il est déjà là, donc on voit les effets avec une météo beaucoup plus capricieuse, des périodes beaucoup plus chaudes, des périodes parfois plus froides, beaucoup de sécheresse, des glaciers qui fondent, donc on a déjà une vraie question de savoir comment est-ce que, à quelle vitesse il va y avoir moins de neige, à quelle vitesse il va y avoir moins de glace, d'un point de vue de politique publique. Ça pose la question du modèle de tourisme. Les stations de sport d'hiver jusqu'à quand ? C'est quoi le sport d'hiver ? Est-ce que c'est le ski ? Est-ce que ça peut être autre chose ? Mais d'une certaine manière, on sait aussi s'adapter. Parce que si on prend l'exemple du Covid, il y a un hiver pendant le Covid où les remontées mécaniques ont été fermées tout l'hiver pour des raisons de lutte contre l'épidémie. Et finalement, les stations de montagne ont quand même vu du monde. Les gens y sont allés, ils n'ont pas skié. Pour autre chose. Ils sont allés marcher, ils sont allés faire de la raquette, ils sont du ski de randonnée, autre chose. Il y a d'ailleurs un regain aujourd'hui pour la montagne, parce qu'on voit de plus en plus de... Je pense que là, à la montagne, on sent la fragilité de ces paysages et donc la nécessité de les protéger. C'est vrai en mer aussi, j'imagine. Moi, je suis plus montagne et moins mer, mais les deux sont chouettes. Et du coup, il faut qu'on adapte notre mode de vie pour pas essayer de tirer jusqu'à la corde et utiliser au mieux un modèle qui marche plus et créer une autre manière d'être qui soit plus respectueuse de la montagne. Est-ce que ça a traduit quelque part un engagement derrière, une volonté de vous inscrire, de faire changer les choses ? Alors moi, en fait, je viens plutôt du secteur social. Tout le début de ma carrière, je l'ai mené sur les politiques de santé et sur les politiques sociales. Et je suis arrivée à l'écologie plus tard, notamment à travers cette prise de conscience personnelle. Et là où j'ai commencé à agir, je sais que vous allez trouver que c'est très paradoxal, mais c'est dans une entreprise privée, puisque j'ai été nommée responsable de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale de Danone, où j'ai passé 3 ans, c'est ma seule expérience dans le privé. Et chez Danone, il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose sur l'empreinte environnementale, c'est l'agroalimentaire, c'est l'alimentation. Donc c'est aussi beaucoup l'élevage, les produits laitiers, etc. Et là, j'ai vu l'ampleur aussi et la possibilité d'agir. Parce que quand vous réduisez le plastique, quand vous vous posez des questions sur l'eau minérale, quand vous vous demandez si vous remplacez des produits laitiers par des alternatives végétales, là, vous êtes vraiment très concrètement en train d'agir à une échelle. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'arriver au ministère de l'écologie
et de travailler dans ce ministère comme secrétaire d'État, sur beaucoup de sujets, sur l'eau, sur la transition énergétique avec la fermeture des centrales électriques à charbon, etc. Donc ça a été finalement, c'était pas professionnel dans le début de ma carrière. Ça a été une évolution, une suite. Et puis finalement, cette évolution, je suis passée un peu du social à l'environnemental. Et en réalité, les deux dimensions sont pas très loin, parce que pour réussir la transition écologique, il faut se préoccuper de ceux qui sont sinon les premières victimes, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer la transition. Donc en fait, ces deux dimensions, elles se rejoignent. Un petit quiz, c'est une tradition. Qu'est-ce que vous retiendrez, une loi, une innovation, un progrès ? La loi qui a permis que ce soit les caisses d'allocation familiale qui versent les pensions alimentaires aux femmes et qui permettent aux femmes de ne plus avoir à s'engueuler avec leur mari pour aller chercher, enfin leur ancien mari, pour chercher la pension alimentaire. Ça, c'est une innovation du quinquennat précédent. J'y suis strictement pour rien, j'y ai pas du tout travaillé. Mais je pense que c'est un vrai progrès parce que vous êtes séparé votre mari. Il ne vous verse pas la pension alimentaire et vous êtes obligé de le supplier ou de le menacer, c'est horrible. Et c'est la caisse d'allocation familiale qui dit au mari, bon ben là monsieur, il faudrait voir à payer. Ça, c'est un vrai progrès. Enfant, vous rêviez de devenir qui ? J'aimais bien le théâtre, enfant, donc à un moment, je voulais être directrice d'un théâtre. Vous voyez, je me suis un peu éloignée. Et votre tout premier geste écologique ? C'est beaucoup autour des déplacements. Progressivement, j'essaye de prendre moins la voiture, plus le train, etc. Et à contrario, est-ce que vous avez un péché ? Oh, plein, évidemment, plein. Je prends des douches, mais par contre, je reste un temps très, très long sous la douche chaude. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, est inachevé ? Vous n'avez pas été au bout ? Oui, bien sûr. On part toujours d'un ministère en se disant que c'est totalement inachevé. Ne serait-ce que parce que vous ne pouvez jamais, en tant que ministre, vous dire « c'est bon, j'ai réglé le problème ». Tout se passe particulièrement bien dans le secteur dont j'ai la charge. Je ne connais pas un seul ministre qui soit dans cette situation-là. Donc, vous êtes toujours en train de regarder les progrès accomplis, ce que vous avez réussi à faire, et l'ampleur du chemin. Donc, oui, tout. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier ? Oui, il y a quelques trucs dans ma carrière dont je suis fier. Il y a ma prime Rénov, parce que ça, je pense que c'est une belle réalisation et c'est très concret et ça parle aux gens. Je vous parlais du grand débat national. Je suis fière d'y avoir contribué. C'était un moment d'apaisement, de débat et on en a sorti pas mal de mesures concrètes. Et puis quand j'étais déléguée à l'emploi et à la formation professionnelle, j'avais créé la première mesure d'aide vraiment opérationnelle à l'accompagnement des jeunes qui s'appelait la garantie jeunes, les jeunes en grande difficulté. Cette mesure a été évaluée scientifiquement. Elle a montré qu'elle marchait vraiment, qu'on avait sorti beaucoup de jeunes de la précarité, de la difficulté qu'ils avaient trouvé en boulot. Et ça a été repris maintenant dans un plan plus global. Donc ça aussi, j'en suis fière. Premier petit clin d'œil, Emmanuel Wargon, à l'intérieur de cette boîte. Hein. Oula. trois écoles et trois diplômes très prestigieux. Et HEC, Sciences Po, l'ENA. Mmh. À quel moment on a le temps d'aller en boîte de nuit quand on fait toutes ces études? Bon, d'abord, je ne suis pas un pilier de boîte, pour être honnête. En fait, si on a le temps. Moi, j'ai commencé à sortir vraiment en prépa HEC, puisque je l'ai fait dans ce sens-là. J'étais en prépa HEC et j'ai réussi à peu près à sortir. Donc, c'est le moment où je suis partie de chez mes parents. D'accord. Et le moment où voilà, j'ai commencé à vivre ma vie. Donc, à ce moment-là, je suis pas mal sortie. HEC, après, c'est relativement festif aussi. Alors, il y a les piliers d'HEC, le club rugby, c'était pas trop mon truc, mais on a quand même le temps d'en profiter. Après, je me suis dit, bon, j'ai quand même plutôt envie de faire du service public. Donc là, je suis partie à Sciences Po. Et dans la partie Sciences Po et préparation de l'ENA, bah là, il faut quand même rebosser un concours. Donc, j'ai bossé. Et à l'ENA, on a pas mal fait la fête aussi. On a un peu picolé. Donc, une fois qu'on y est, on vit bien. Alors, justement, en parlant de l'ENA, je pense qu'il y avait... je crois savoir que vous étiez dans la même promotion qu'Edouard Philippe. Mmh. Vous étiez aussi dans son gouvernement. Mmh. Est-ce que vous avez eu de moins bonnes notes que lui, puisque vous n'avez pas été Première ministre ? Comment ça s'est déroulé Alors, d'abord, la réponse est oui, puisque je crois qu'Edouard Philippe est mieux sorti de l'ENA que moi. Il est sorti dans les tout premiers. Ensuite, on n'était pas spécialement proches à l'ENA, on n'était pas du tout dans les mêmes groupes. Donc, pas de regret ? Pas de regret sur les notes ? Non, pas de regret sur les notes. Et puis, heureusement, une carrière, ça ne se fait pas sur des notes. On s'est un peu perdu de vue. Et puis, bah, quand il a composé son gouvernement, à un moment, voilà, mon profil avait du sens et donc on s'est retrouvés comme ça. Mais
En France, on a vraiment un truc qui ne va pas, qui est de caractériser les gens comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de définir les gens en fonction des études qu'ils ont fait ou qu'elles ont fait il y a, je ne sais pas quoi, 25 ans ou 30 ans. On n'est pas que ça. Et la France surdétermine par rapport au diplôme, et ce n'est pas complètement simple. Moi, par exemple, j'ai fait un BTS par alternance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que des gens sans école et sans études prestigieuses peuvent encore avoir des postes à responsabilité, des postes ministériels, et où devraient en avoir? Non, mais je le pense et je le souhaite. C'est-à-dire, encore une fois, il ne faut pas être totalement prédéterminé par les études. Il faut qu'on ait, chez les députés, au gouvernement, dans les entreprises, des décideurs qui ont fait des études plus courtes ou pas d'études du tout, et qui ont simplement développé leurs compétences dans leur expérience. Parce qu'après, il y a des tas de choses qu'on n'apprend pas dans ces écoles. Ces écoles, elles sont utiles, on apprend des tas de choses théoriques, des tas de connaissances qui qu'on peut mobiliser. Ça permet de conceptualiser peut-être aussi. Mais comment est-ce que vous entraînez une équipe? Comment est-ce que vous managez une équipe? Vous ne l'apprenez pas là, vous l'apprenez parce que vous commencez à encadrer et puis vous faites des trucs bien, vous faites des erreurs, vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs, vous apprenez de vos équipes, donc ça c'est l'expérience qui vous le donne. Et c'est pareil sur votre métier. Donc il ne faut pas survaloriser et c'est bien d'avoir des profils différents. Dans l'administration, c'est bien d'avoir des gens qui ont été formés pour diriger des administrations, il y a des choses qui s'apprennent, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur. J'ai un autre petit clin d'œil qui est pour vous, qui est votre nomination à la CRE. Donc sur présentation du président de la République, vous êtes nommé. C'est très clairement un poste qui aujourd'hui est au cœur des enjeux de la nation. C'est une préoccupation très forte des Français, l'énergie. Comment vous avez reçu cette nomination ? Alors moi, j'étais candidate sur ce poste parce que, vous l'avez dit, la CRE, c'est le petit nom de la Commission de régulation de l'énergie. En gros, c'est le gendarme du marché de l'énergie. Et le marché de l'énergie, en ce moment, il est tellement bouleversé que c'est une institution importante. Donc j'étais candidate. C'est un honneur d'être nommée par le président de la République. Et donc après, ça vous engage à essayer de faire ça le mieux possible. Donc moi, j'avais dit que je voulais vraiment faire ça parce que je pensais, d'un côté, que c'était très intéressant et de l'autre, que je pouvais y être utile. Que les compétences que j'avais acquises justement dans des expériences précédentes, y compris l'expérience de ministre, ça pouvait aider. Puis une autorité administrative indépendante, il faut l'incarner. C'est pas le même positionnement qu'au gouvernement, c'est plus de liberté. Et c'est intéressant aussi. Et donc le président m'a fait confiance et je l'en remercie. Est-ce qu'il y a une forme de pression, Emmanuel Wargon, quand des millions de Français aujourd'hui ont des difficultés pour justement payer leurs factures, qu'on connaît les tensions d'approvisionnement, de gestion de centrales, de réseaux, etc. Est-ce qu'il y a une forme de pression au moment où vous arrivez, quelque part, vous, entre guillemets, vous n'avez pas de chance, parce que vous êtes nommé au moment, peut-être dans la première fois de l'histoire de la CRE, où c'est le plus difficile. Est-ce qu'il y a une forme de pression? Comment on le vit au quotidien? Il y a une forme de pression, parce que la CRE, par exemple, ça fait les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz encore pendant quelques semaines. Et donc, c'est des tarifs qui ont une importance pour tous les Français, parce que c'est ce qui vous fait votre prix de marché de l'électricité. Donc, selon ce qu'on fait, eh ben c'est plus ou moins cher dans une période d'inflation. Donc oui, il y a une responsabilité. Après, par rapport à un membre du gouvernement, c'est pas tellement pire, si je peux dire. Enfin, c'est pas tellement plus de pression. Quand vous êtes membre du gouvernement, j'étais ministre du logement, vous avez la pression de tous les Français qui cherchent un logement et pour lesquels le marché répond pas bien, les demandeurs de logements sociaux qui trouvent pas, les personnes qui sont en hébergement d'urgence. Donc la pression, elle est hyper forte. Ou d'une certaine manière, celle-là est moins aiguë que la précédente. Elle est différente. Mais oui, bien sûr, de toute façon, quand on exerce des responsabilités, c'est au service des Français. Donc il y a une pression pour essayer de le faire au mieux pour eux. Sous votre présidence à la CRE, vous avez nommé 11 universitaires pour réaliser une étude sur la réforme du marché. Ça va, je crois, à l'encontre de la position de la France. Comment vous allez justement l'appréhender, cette étude ? Donc la CRE, c'est une autorité administrative indépendante. Donc on est notre propre chef. Et il y a une réforme du marché de l'électricité qui arrive. Donc moi, j'ai demandé à des universitaires, pas que des Français d'ailleurs, parce que c'est intéressant de ne pas être tout le temps en franco-français.
de nous apporter une analyse économique de comment est-ce qu'on ferait pour réformer les marchés européens de l'électricité. Avec un regard différent. Donc là-dedans, il y a une quinzaine de recommandations. Il y en a une ou deux qui ne sont pas exactement alignées avec la position du gouvernement. Ce n'est pas la majorité, hein, parce que dans l'ensemble, le rapport va dans le même sens. Après, voilà, c'est des experts indépendants. Donc, ils rendent leur avis, ça les engage. Et après, nous, on discute avec le gouvernement sur les positions à prendre. Et après, c'est le gouvernement qui a le dernier mot, puisque c'est lui qui porte des positions vis-à-vis de Bruxelles et vis-à-vis du Parlement européen. Mais au moins, ça permet d'éclairer le débat. C'est sain qu'il y ait un débat, et ça permet d'y contribuer. Ça peut vous poser des problèmes que cette étude, en fait, aille à l'encontre de ce que préconisaient la France et le gouvernement, alors même que vous en faisiez partie, ou justement pas du tout. Il y a cette notion d'indépendance, et c'est l'essence même, en fait, du mot indépendance, d'avoir des positions qui divergent. Mais quand on fait de l'expertise, finalement, chacun est libre de ses positions. Après, il y a évidemment une solidarité, puisqu'in fine, la France, le gouvernement français, l'État français, va avoir une position institutionnelle, et on se retrouvera dans cette position institutionnelle. Mais être l'endroit où il y a des idées qui sont émises, ça ne me pose aucun problème, je pense même que c'est sain. 8 millions de personnes aujourd'hui vivent à moins de 10-15 km des côtes. Comment on gère quand on sait qu'il y a 20 cm par an qui en permanence en fait sont perdus, clairement? En France, on a quand même la chance d'avoir les lois littorales depuis maintenant 20 ou 30 ans. Donc on a déjà moins de constructibilité possible vraiment en bord de mer. On a les anciennes constructions qui parfois sont rattrapées par la mer. Donc là, on a des questions d'indemnisation, par exemple. On a eu beaucoup de mal à indemniser les propriétaires d'un immeuble qui s'appelle Le Signal, qui est vers Bordeaux. Et après, ça veut dire qu'il faut être vraiment très prudent dans notre manière de construire. Peut-être aussi les permis aussi de construire. Exactement, sur les permis de construire. Sur la façon dont on va peut-être donner les données. Exactement. Pour rebondir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, j'ai deux petites images pour vous. Vous avez dit... Je suis mariée avec l'un et pas avec l'autre. Ce sont le choc des mondes. Ce fut le choc des mondes. Oui, en fait, on ne vient pas tout à fait du même milieu et on ne fait pas du tout le même métier, donc on n'a pas la même vie. Et c'est ça qui est intéressant. Lui, il est en première ligne dans un service d'urgence. À Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et donc... tous les jours, il se bagarre pour accueillir ses patients, pour les soigner. Cette urgence, quelque part, lui dans la santé, vous dans l'écologie, est-ce que c'est pas quelque part aujourd'hui un peu le dénominateur commun avec une vie très engagée, des passions, des convictions? Oui, je pense qu'on partage le fait d'être engagés tous les deux et de se battre. On se bat pas de la même manière, mais de se battre pour ce en quoi on croit. Lui, l'urgence, elle se gère en minutes, en heures. Parfois en secondes. Nous, malheureusement, l'urgence climatique, elle se gère en semaines, mois, années. Et donc, les décisions qu'on prend, les politiques publiques, les orientations, c'est des orientations de long terme. Il faut faire face à un problème qui est une urgence absolue pour la planète et qui se déroule sur 15 années utiles, en gros. Mais c'est quand même sur un temps qui est plus long, alors que lui, son urgence, c'est toutes les 10 minutes, il y a un nouveau patient qui arrive et qui doit être pris en charge très rapidement. Après, moi, je suis un naturel plutôt posé et plutôt réservé. Mathias est un naturel plus castagneur et plus extraverti. Donc, en ce sens, on est aussi différents, mais on se comprend bien. Et de quoi on parle à la maison ? On se raconte nos journées, évidemment. On n'est pas toujours d'accord sur l'actualité. On suit évidemment beaucoup l'actualité l'un et l'autre. Lui, il passe son temps à se castagner sur Twitter, moi un peu moins. Et puis après, on parle de qui va faire les courses. Pour revenir sur l'autre photo, oui. Juste dessous, oui. Le président de la République, Emmanuel Macron. Comment vous l'avez rencontré? Racontez-nous. Alors la première fois que je l'ai rencontré, il n'était pas président de la République. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Moi, j'étais déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, donc une fonction de directrice d'une administration du ministère du Travail. Et j'étais allée le voir pour lui parler des réformes nécessaires, à mon avis, de la formation professionnelle. C'était avant qu'on réussisse à relancer l'apprentissage, notamment. Et donc, ça avait été une rencontre vraiment agréable. Très fluide. Il était très à l'écoute. Il voulait vraiment comprendre les enjeux. Il n'était pas un spécialiste de la formation professionnelle, mais enfin, il captait hyper vite, ce qui est une de ses grandes qualités.
Et donc, on avait eu un très bon échange. Et puis voilà, c'était juste pour que lui se fasse une idée. Et il était à l'Élysée pour voir comment est-ce que tout ceci allait s'orienter par la suite. Et après, finalement, quand je suis rentrée au gouvernement, ben, je l'ai retrouvé en Conseil des ministres, parce que vous êtes appelé au gouvernement, on vous dit vous allez être nommé, vous êtes nommé, votre nom est lu sur le parvis de l'Élysée par le secrétaire général de l'Élysée, donc Alexis Kohler. Et puis après, il y a la première réunion, la photo, etc. Et donc, je l'ai retrouvé directement à ce moment-là. D'accord. Et puis après, on a commencé à travailler ensemble. Et quel sentiment vous avez eu quand vous avez été nommé ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête ? Vous vous êtes dit c'est une fierté, c'est un accomplissement, c'est une lourde responsabilité, vous avez eu peur ? Oui, un peu tout ça. Enfin, deux choses dans ce que vous avez dit, la fierté, parce que quand même, oui, on est fiers d'avoir été identifié, voilà, nommé. Et puis le trac, la peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais savoir faire. Ce qui est un problème de fille, hein, parce qu'en général, les hommes disent moins ça. Hein. Donc c'est plus un trait féminin, mais la plupart des femmes qui exercent des responsabilités que je connais se posent en général cette question-là. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir faire? Comment je vais m'y prendre? Et puis après, vous n'avez pas beaucoup le temps en fait, de vous poser des questions, parce que oui, vous êtes nommé très vite, hein. Et il y a un espèce de tourbillon qui se met en place. Et donc, un truc en entraîne un autre, et puis vous commencez à travailler. Et puis, la meilleure manière de lutter contre le trac, bah, c'est de bosser. Est-ce que vous vous souvenez d'un déplacement avec le président de la République sur un glacier que vous avez effectué ? Mais je l'ai même organisé, donc je m'en souviens très bien. Donc, je vous ai dit que moi, mon premier choc, ça avait été à la mer de glace à Chamonix. Et du coup, je lui en avais parlé. Je ne sais plus. On s'est beaucoup vu au moment du grand débat national. On a fait beaucoup de déplacements ensemble. Et je lui ai dit, il serait bien que tu viennes voir quand même. Il m'avait dit, banco, vas-y, organise-moi ça. Et donc, on l'a organisé. Et donc, on a proposé au président de la République, qu'il a accepté, d'aller voir la mer de glace. Donc, la même expérience que celle que j'ai vécue, mais que des milliers de touristes vivent en allant voir. La mer de glace, à côté, vous ne pouvez y accéder qu'en train ou à pied. Il y a un petit train à crémaillère qui monte. Et le soir, le train s'arrête. Et donc, on est tous montés en fin de journée avec quelques scientifiques. Il y avait, par exemple, Jean Jouzel, qui est un très grand climatologue. Et on a passé la nuit dans l'hôtel refuge qui est juste à proximité. Donc, un peu cette impression que je vous donnais, le soir, tout s'arrête. Il n'y a plus d'accès possible. Vous êtes juste dans la montagne. Donc, on a eu un dîner qui a duré super longtemps, justement pour discuter des enjeux, de ce que ça voulait dire, le réchauffement climatique. Il était à l'écoute, hyper à l'écoute, il y avait une dizaine de scientifiques. C'était vraiment un débat assez vif. Et puis le lendemain matin, on a vraiment eu le lever du jour sur la montagne. Et puis après, on est parti vraiment descendre jusqu'à la grotte de glace. Et je pense que ça l'a frappé aussi. Parce que c'est vraiment un endroit où vous touchez ça du doigt. Donc moi, j'étais contente de partager cette expérience avec lui. On parle de tourisme, beaucoup. De résidences secondaires. Il y a des villes, des habitations et des villes dont on va parler demain, de villes secondaires. C'est des propos qui sont de plus en plus tenus. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Est-ce que c'est le résultat aujourd'hui d'une société qui irait à deux vitesses avec des gens qui sont multipropriétaires et alors qu'il y a des problèmes de logement ? D'abord, il y a une vraie crise du logement en France en ce moment. On n'a pas assez de logements, on a plus de demandes que d'offres, et donc on a des gens qui n'arrivent pas à trouver une location, des gens qui n'arrivent pas à trouver à acheter, et des demandeurs de logement social qui sont demandeurs de logement social depuis beaucoup trop longtemps, et puis des personnes mal logées. Donc c'est une situation qui s'est cristallisée progressivement. Là, elle est devenue très très aiguë parce que les taux d'intérêt ont remonté, notamment, donc ça rend le marché encore plus compliqué. Et cette situation, elle est encore plus aiguë dans certaines communes touristiques, en particulier pour le coup Côte d'Azur, Côte Basque, Bretagne, où en fait, comme il y a des gens qui ont envie d'aller s'installer, c'est pas forcément des gens qui ont des résidences secondaires, d'ailleurs ça peut aussi être des gens qui, à la retraite, oui, décident de quitter la ville dans laquelle ils vivaient pour aller s'installer là-bas, voire qui décident qu'ils peuvent travailler pas forcément à partir d'une grande ville, mais à partir de n'importe où, et donc qui quittent une grande ville. Est-ce que le télétravail a beaucoup joué. Donc il faut absolument qu'on arrive à répondre aussi aux besoins des habitants, des habitants
qui n'arrivent plus du tout à se loger. Donc on avait commencé à relancer le logement social, à lancer ce qu'on appelle le logement intermédiaire, qui sont des logements à des prix qui sont quand même contrôlés, des produits un peu innovants et un truc qui s'appelle le bail réel solidaire qui permet d'acheter que le bâti mais pas le terrain et du coup ça vous fait une accession à la propriété à moitié prix, ce qui commence à redevenir supportable. Il y a aussi probablement à limiter les locations saisonnières. On a commencé à encadrer. À essayer de le réguler. À essayer de le réguler pour ne pas opposer ces deux populations et pour laisser de l'espace aux populations locales. Parce que sinon, il y a une forme d'injustice et ça, c'est vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui... Quelqu'un qui parle beaucoup de résidence secondaire. Oui, c'est Jean Viard. Et il paraît qu'il vous a offert ce livre. Oui. C'est Jean Viard. Alors moi, j'aime beaucoup Jean Viard. On s'est rencontrés au moment du grand débat national, je ne le connaissais pas. En fait, je trouve qu'il a une réflexion très intéressante justement sur l'aménagement du territoire, sur la manière dont les gens changent leurs pratiques. Par exemple, lui, il travaille beaucoup, enfin, il est très motivé par le développement de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Il y a des endroits un peu hybrides, qui sont un peu des cafés, un peu des endroits de coworking, un peu des endroits juste pour se rencontrer. Oui, des endroits multi-usages. Voilà, des endroits multi-usages. Qui pour l'instant, enfin qui au début ont été développés dans les grandes villes et puis qui sont en train de se développer un peu partout, y compris dans les petites villes et dans les villages, et qui peuvent recréer le lien social, l'endroit où aller quand tout avait fermé. Et pour reprendre le titre de son livre, vous qui connaissez bien justement la France, qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui? Je sens quand même plutôt une... Enfin, la prise de conscience écologique, elle est vraiment là. La volonté de participer et d'apporter des solutions, elle est là. Le fait de dire oui, il va probablement falloir changer ses habitudes, c'est en train d'arriver. Et donc, il y a vraiment un truc autour de libérer les énergies, rendre les choses plus faciles, plus simples, plus rapides. Parce qu'il n'y a pas de refus ou de rejet ou de crispation sur soi-même. Il y a quand même plutôt la volonté d'avancer. Après, évidemment, il y a des gens qui sont... avec des revenus qui sont modestes, pour lesquels c'est difficile de changer ses habitudes puisque vous n'avez pas les moyens, donc à nous de faire en sorte que ce soit possible. Mais il y a quand même aussi un vrai dynamisme, et donc il ne faut pas être uniquement dans le « tout va mal, on ne va pas s'en sortir », je pense qu'il y a aussi plein de belles expériences de terrain à valoriser. La rénovation énergétique, Emmanuel Wargon, quand vous étiez ministre du Logement en 2020, est arrivée l'arrivée de MaPrimeRénov'. Eh oui. Voilà, donc qui est une aide nationale qui permet à des millions de ménages aujourd'hui de bénéficier d'un accompagnement pour la rénovation énergétique. Comment ça se traduit cet engouement aujourd'hui? On voit qu'il y a des centaines de milliers de dossiers, que des gens ont envie de rénover leur logement, qu'il y a donc une vraie prise de conscience. C'est une fierté parce que depuis qu'on l'a créé, je crois qu'il y a 1,7 million de personnes qui ont fait un dossier MaPrimeRénov', donc qui ont engagé des travaux ou qui engagent des travaux et qui demandent une aide. Environ 1 million de dossiers payés, donc c'est vraiment massif, ça commence à transformer. À la fois, c'est pas fini, il y a encore du boulot, parce qu'il faut inciter progressivement à aller vers des rénovations plus ambitieuses, plus globales, parce qu'on a encore des ratés, c'est-à-dire il y a quelques dossiers. En volume, c'est pas énorme, mais quand ça vous arrive, c'est pas bien. Qui mettent du temps à être traités ou qui ont un problème qu'on n'arrive pas à régler. Et du coup, des gens qui sont en attente d'une aide qui n'arrive pas et ça les met dans la difficulté. Mais globalement, c'est une vraie réussite. Ça a déclenché une envie de faire des travaux qui va continuer. Et maintenant, il faut qu'on oriente ces travaux vers les travaux les plus globaux, faire le maximum possible en une fois. Les passoires thermiques, aujourd'hui, c'est un véritable sujet. Il faut qu'on arrive à attaquer, effectivement, de façon systématique, les passoires thermiques. Il faut qu'on traite ce problème. À la fois chez les propriétaires bailleurs, donc les gens qui ont des appartements qu'ils mettent en location, et chez les gens qui sont chez eux et qui sont dans des logements qui laissent trop passer la chaleur ou le froid. Donc il faut aussi qu'on arrive à ce que ces aides arrivent bien en priorité chez ces propriétaires-là. Mais bon, voilà, il y a encore du boulot. Sachant en plus qu'avec les DPE, aujourd'hui, les logements F et G vont être retirés progressivement avec une interdiction de les louer. Donc il y a une réelle urgence
c'est, je crois, entre 17 et 18% du parc immobilier. Oui, alors ça sera progressif. Voilà, c'est progressif. Ça va être progressif. Moi, je disais quand j'étais ministre que s'il fallait un tout petit peu décaler les dates, on finirait par le faire. La première date, c'est 2025. Ensuite, c'est 2028. 2028, oui. OK. Merci beaucoup, Emmanuel Vargon. Merci. Merci.